plus ces vidéos. Tous les zonga, abonnez-vous. Tous les ya. Internet et la musique à Mokili, bah y'a bien de mon salaire qui nous recota. Est-ce qu'il y a une relation à bien avoir passé à monsieur Yambo à la musique? On va accepter la milieu à Bango. On a une relation à l'âme, on va accepter. Très accepter que tout le monde est. Maxime Nicolas a accepté. Okay. Et Bélé et Bandele, Bango, on a encore un apôtre Paul. De Banza London TV avec Debrino. Original. Oui, mais c'est les amis. Les amis. Et ça, c'est un homme qui nous a dit. Donc, pouvoir, la puissance, c'est un champ, la carte, et là, ils ont utilisé ma pour qu'il a sauvé le peuple. Est-ce qu'il n'y a pas de bandes à London TV avec Debrino Original? C'est le temps. Et que les chrétiens doivent se lever pour dire non, 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 ça, c'est notre pays. Nous reconnaissons que quand je vois comme le livre d'Ecclésias, parce que nous, notre soubassement, c'est la Bible. La Bible. Quand je vois le livre d'Ecclésias, nous dit je vois. Les esclaves montés sur des chevaux comme des princes. Voilà, bonsoir à vous mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission 100% Star, une émission socio-culturelle qui fait la promotion des célébrités. Nous recevons un invité dans cette émission, nous parlons de lui, nous parlons de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fera à demain. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir un homme de Dieu dans cette émission 100% Star pour la deuxième fois. Nous allons parler en tout cas de lui, de beaucoup de sujets, des sociétés par rapport à son domaine. Je tiens à dire merci à l'équipe technique, Rudy Louadjo, Koupar Bola, Serge Kouilou, Joël Pembele, Samson Ilunga, Yves Eloi là du côté de notre chaîne YouTube, parce que cette émission passe en direct sur la chaîne Canal Kin TV sur YouTube, Bazola Ndabiso. Bonne dentille, en tout cas on est là, on va parler de beaucoup de bonnes choses. Je sais que vous l'aimez beaucoup, lorsqu'il passe, il y a beaucoup de vues, il y a des abonnés qui s'augmentent, mais aussi par son franc parler à ses pélissarabas téléspectateurs, Nyonso, Oyo, Malandara, Bissou. Hier, on les connaissait la casquette Moussoussou, Lelo avait la casquette Moussoussou, casquette Wanande, Tovandi Nango, Yango Tokusolola, par rapport à Oyo, nous sommes allés au Salapé à répondre à la question de Bissou pour la faire ébeler dans la société par rapport à Domenae. Je suis très heureux, mesdames et messieurs, pour la deuxième fois dans cette émission 100% Star, de recevoir le pasteur Christian Kimbukusu Dakumuda Newman. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Laurent Fabrice. Bonsoir. Kimi Ezali, hein? Nous avons battu. Voilà, na d'abord. Très bien, na c'est mon pasteur, émission de salaire dernièrement. Tilelo na YouTube, en tout cas, Batu Bazar, au Tala, la question Père qui est belé par rapport à nous. Aux en félicitations, peu considération, et à l'internaute, et belé au Balanagi, émission de Bosso, tout ça. Merci, merci. Gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Nous avons mais il fait toujours les choses dans les temps, pas après les temps. Non plus avant les temps, mais quand les temps arrivent, il est là et personne n'arrête les temps. Donc Lazare, il était mort. Physiquement, la prière était physiquement, on va à Jésus. Voilà, Lazare est mort, on a pas de voir Lazare. Mais la Bible nous renseigne que Lazare est resté, Jésus est resté encore en train de faire Makambounaya avec le monde au sale. Mais aussi, quelques jours après, Abi, allons réveiller Lazare. Donc, quand l'état était arrivé, Abi, allons réveiller Lazare. Il y a eu au pli à Ebélé, au Sambela Ebélé, au Ranzanza Bayouka Gauté. Ayouka qui physiquement, il a rappelé Martha, il a rappelé physiquement. Mais il ne s'était pas rendu directement. Parce qu'il sait qu'il fait toujours les choses dans les temps. Et il voulait c'est que Dieu puisse tirer la gloire. Gloire sur la mort de Lazare. Et Dieu va tirer gloire sur ta vie là, ton problème, aux souffrances. Nous avons tiré gloire, mais dans les temps. Donc sois calme là où tu es, Dieu te connaît, parce qu'il est le contrôle de toutes choses. Voilà, aux amis à l'aise, ex-artiste et musicien, pasteur, prophète ou comment, là où tu te sens. Non, non, à l'aise. Je suis pasteur, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je ne suis plus. Monde à la star. Même ex ou anatole va remonter. Non, il n'y a pas ex. Je suis. Ex-artiste. Non, non. Je suis artiste. Je demeure artiste. Ok. Aujourd'hui, je demeure artiste parce que là, c'est juste d'ailleurs, au contraire. Né la Bounzambé, il a envoyé Bounzambé Makassi. J'ai jamais allé faire même un album. Donc, ça, le moment, il y a. Bien pour le groupe Nazambe. Il faut chanter pour Dieu. Même si je deviens tout ce que je fais de ma vie, je chanterai pour l'éternel. Donc je suis artiste, mais seulement je suis le pasteur ou l'évangéliste Christian Newman. Donc Newman Motoyasika.
Okay. Voilà, je me sens à l'aise. Mon père Christian Luman, ouais, je suis Motoyasika. Bon, encore Motoyasika, il passe, il facilite. Maintenant, je suis Motoyasika. Pour ébeler Barasso qui a se convertir à combien en Christ, par combien comme Arara, Malachi, David, Moïse, mais Dakumuda garde son nom de Dakumuda. Non, je suis la même personne. Je suis le Christian Luman Kimukosu. Dakumuda, c'est moi. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais pas que tu aies une Dakumuda. Pourquoi? Parce que, et maintenant, quand il y a un bus, toujours star. Il fallait pas lui, toujours star. Il fallait pas mon nom de serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc, voilà un peu. Donc, et pourtant, qui star ici, l'était. Tu as une autre dernièrement. Naza star. Ça, c'est un homme qui s'est mis tout vraiment de mon nid. Mon tutoir au léca. Il faut appeler ça mon beauté. Il faut le moment où il m'a mouillé. Dernièrement, tu as une autre côté à l'embarras. Mais je suis. C'est qui star et Zara. Oui, star et Zakaka. Star et Zanini. Star, prends sa définition. Je vais peut-être confondre moi, ma camarade des Alara. Star, mon Isa étoile. Étoile, oui. Star, Isa étoile. Donc je suis une étoile. Naza étoile. Pourquoi? Parce que Christ qui est en moi, c'est une étoile. Ouais, et Munga, Naza étoile. Vous voyez, ma romage, je crois que nous découvrir Jésus-Christ, ils ont suivi l'étoile. Bah, la même étoile, de pouvoir découvrir Christ, c'est ce qui est Zazalaki. Donc c'est pour dire aussi, dans notre union, ce qu'on a en Christ. Au Christ a katinaye, aïe baki aza étoile. Parce que étoile wana ka nem de gomema, baye ko découvre. Et si ateska ba bon bio ba boa ki en prison. Étoile ou la nekwa ki découvre, et elle n'a même Joseph na prison. Ouais. Donc les étoiles wana ata ba boa ki en serre maï. Yébaka ki étoile wana et ça qui va découvrir parce que aza une étoile. Et Christ est une étoile. Christ en nous, nous sommes des étoiles. C'est pourquoi je viens dans 100%. Star. Parce que je suis une étoile. Très je bien. Suis maintenant la vraie étoile. Avant, je n'étais pas une étoile. Okay. Avant, il y avait un débrouillard. Oui, débrouillard dans le sens que nous avons provoqué ma vie. Mais si on est là, non. Si on est là, une étoile, on est sur ma carte. Naturel. Naturellement, je suis une étoile. Ok, alors, tu sais, une émission la fois passée, cette question, je la pose à Guillaume. Mais je ne vois pas tout, je ne rebelle pas. Je vais un message dans le monde. Qu'est-ce qui avait convaincu le pasteur Dakumuda a se répentir? Je t'ai jamais posé cette question. Sauf qu'on répond dans mon élo. Ben moi, j'ai... Les gens parlaient à la Kissio Siba Kebele, Linda Castro, la danse d'ailleurs, la ba sirène, ainsi par-ci par-là. Ouais, tout ça, ils ont ma camouflage dans le quartier. Mais seulement ce qui est au Célébinanga, j'ai dit tout à l'heure, c'est les temps. Les temps, pourquoi? Parce que j'écoutais la voix de Dieu qui m'a appelé. Vous voyez, j'ai répondu à l'appel et j'ai obéi à cet appel-là. L'appel de Dieu, hier, on va dire, est belé. Hier, on va dire, belé, appel à Nzambé. On aura le temps de développer encore les jours à venir. Appel à Nzambé, nous voyons appel à Nzambé, il est 40 ans. Mais j'ai reçu l'appel de Dieu qui m'a appelé et qui a demandé à ce que je puisse arrêter là-haut, là, parce que j'avais une mission. Une mission pour lui, une autre mission. Il a permis que j'évolue dans la maison des pharaons. Mais comme tel était le cas de Moïse, mais la maison des pharaons, des musiques, la maison des pharaons, c'est ça, la magie, c'est les fétiches, c'est les ténèbres, c'est tout ça. Okay. Voilà, il avait permis qu'il ait vivre Kouna, n'a grandi Kouna, mais un jour, il m'a récupéré, ouais, il m'a récupéré comme il a fait avec Moïse, il m'a récupéré, et après, l'équisinga n'a pas brisement, il m'a dit, tout le monde a dit, bon, on est en Zawana, à quoi il y a un an, pour les gens, il en a 1000 francs, j'avais rien, j'ai pas d'argent. Dans les lourds montées, on va dans l'église, et puis tu vois, tout ça pour la bonne zaka qui est non, non. Or, c'était l'appel de Dieu, parce qu'après avoir qu'on l'excellent, maintenant il me renvoie pour sauver son peuple. Tu vois, il me renvoie. Pourquoi? Parce que je connais bien ce monde, les mots qui nous donnent les gens. Comment ça marche, je sais comment ça roule. Vous voyez, donc Naza Moutoyo, il n'y a pas le roi Papotre Paul. Donc, les Kélangate, tous ont entendu la lingua, l'autre baron, les Kélangan esprit. Ils ont entendu les Kélangan esprit. Attends, Christ esprit, Zara. Esprit, que tout n'est pas là, Zara. Zara, en Christ, c'est pas là. Donc, je suis l'esprit, Zara, vous allez éveiller. Tu vois, vous allez éveiller. Donc, dans les réveils, mais nous sommes éveillés. Le réveil, mais nous sommes éveillés dans les réveils. C'est pas ce que Dieu voulait avec moi. Vous voyez, donc, il y a un oiseau qui appelle des dieux. Je suis le fruit des enseignements. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Non, la vérité n'est comme la qu'il y a un jour. Quand j'avais lu par un des serviteurs de Dieu, à la personne de l'apôtre Gédéon, Kakessa, donc c'est lui qui m'a gagné, baptisé le baptême d'eau et puis baptême de l'esprit. Donc je suis le fruit de la parole de Dieu et non des miracles. Parce que si c'était pour les miracles, je n'allais pas me convertir. Okay. Parce que le miracle, Satan, le miracle, c'est bien, ils ont salué. Mais la parole, ça, c'est la vie.
Une parole enseignée avec autorité, automatiquement, il y a. Alors Dieu commence à parler, d'une façon, d'une autre, et puis voilà, j'étais obligé de me rendre. Donc je me suis rendu parce que j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté la voix de Dieu, c'est pourquoi je me suis rendu. Donc, ce n'est pas parce qu'il y avait une menace de mort pour avoir qui se vendait au Simba, ce n'est pas ça. C'est parce que j'avais une mission, et vous connaîtrez ma mission. Et vous êtes en train de voir ma mission, malem, mais la mission que j'avais avec Dieu. Nous avons 4 saramototés, au long de la place, au long de la en tant que Oyozaraki, tu vois, et puis Oyakosa et l'autre, non, c'est parce que ça a une mission, moi, on est le pour la yo. A Yébi qui est une mission de Rosal Rwana Christian. Rosal Rwana Christian, pourquoi? Parce que Christian a fait le cas à place Wana. Jamais Christian a reçu la morauté, Christian a reçu la bassité, Christian a reçu la moutotate, a reçu la voyage, a reçu la climatisation. Les mêmes bélés, parce qu'il y a peu de Nzambé, Tina Nzambé, a dévié, pourquoi? Parce que Témoigner, témoigner témoignage comme ça et décourager peut-être dans la pratique. Non, on a témoigné mingi. Peut-être à notre canal qui est dans la salle, on a témoigné vraiment mingi. On a témoigné mingi alors. Il faut toujours témoigner. Pour redire les gens pour édifier le peuple en Zambie, il est vraiment important de témoigner. Donc pour le bifier peuple, il faut toujours témoigner quand il le faut. Donc quand il y a vraiment comme tout ça noté, j'y viendrai. Le temps de prendre témoignage, je viendrai ici au Sukanakil, je vais témoigner, on va parler de tout et de rien, comment ça évolue, le monde musical, comment ils ont détruit le monde, comment ils ont détruit le peuple de Dieu, comment ils ont ramené l'esprit à Mabé, comment ça évolue avec Satan, comment Dieu ne donne pas du succès à quelque chose qui ne le rend pas gloire, même si on parle de Dieu dans la musique là, absolument ça c'est faux, c'est pas ce qu'est Dieu, Dieu, mais c'est qu'est Dieu, tu vois. Donc, démontrer aux gens que la musique, ils ont des thèmes, il y a des points, il y a les thèmes de la chanson et puis il y a les pouvoirs qui animent la chanson, donc qui accompagnent la chanson pour les succès. Donc, c'est quoi ces pouvoirs-là? Et puis voilà, mais ce n'est pas le Saint-Esprit déjà, hein? Et la chanson devrait être une chanson qui édifie, vous voyez? Donc, mais nous étions toujours dans les choses. Nous avons fait le point, même abattu la déploration des mères, c'est des histoires compliquées, ramener les gens à l'impudicité, à ramener les gens à ça, tout ça pour l'ordre de Satan. Donc voilà, et le pouvoir là c'était diabolique. Est-ce que le pasteur Christian, vous êtes responsable, il y a des rebelles, au bobé Bissaki, vous avez une musique noire Mokili, Balinda, Banini, Banini, ou peut-être Atika Mokili, sans qu'on se repentir. Ça qui a été lobby parce que dans le monde, dans le monde, on a ça les aïe qui a mabé. Vous êtes responsable? Mais oui, absolument. Les artistes, pas tellement ailleurs, hein, tous les artistes. Non, effectivement. Vous êtes responsable. Monsieur, vous avez par ignorance. Hein. On a été responsable par ignorance, mais on est responsable. Bien que vous ayez une carte d'ignorance, mais vous êtes responsable. Vous voyez un peu ça. Parce que toi, on va bébé pour nous, et puis qu'on a un peu comme il passe. On a un peu comme ça, on a récupéré. Donc, il y a un peu comme ça, on a un peu comme ça, mais je prie. Il faut d'abord prier parce que tant on a eu coquille, il faut prier pour les autres. Moi j'ai prié aussi pour les autres, même pour les autres artistes, musiciens, stars, voilà. Donc j'ai prié aussi pour eux pour que lobby, Zambé Abendaba, on est à Bendanga. On m'a cassé dans la tête, on m'a mis mon centre, on est dans la salle de la bombe. J'ai prié, on a été responsable, mais tourner sous Kawana, voilà, mission à dépeupler en fer. Pour le royaume de Jésus-Christ. Pourquoi tu pas compte à l'eau là? Parce qu'il souhaite, il fait les années, il fait les hommes à B, mon frère, il fait les années. Voilà, il s'appelle le pasteur Christian Kimbukusu d'Arumuda Newman. C'est lui notre invité de ce soir, c'est samedi. L'émission 100% c'est un reçoit pour vous. D'Arumuda Newman, le pasteur Christian Kimbukusu. Alors, je vais juste placer Momoko par rapport à l'événement Boussaï qui dernièrement à Stade. On va pousser qui est. Pour ça, la nuit de prière, on a niveau stade, on en est où pour l'instant? Ok, c'est bon, frère. Frère Christian, ma frère, il a fait parce que comment frère, il a passé. Voilà, mon frère. Pasteur, c'est une vocation, oui. C'est un appel, hein. Okay. Tu vois, c'est un appel de Dieu, mais devenir frère, au titre comme frère en Christ. Donc, mon Christ, pour la catinaïo, on est dans la passe. Ils ont dit, mon frère, ma pasteur, pour ça, on est frère, on est au divinéier. Il y a encore un bishop.
prophète, pasteur. Non, 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 gars, je suis le frère Christian. Frère Christian, donc c'est. Ok. Pourquoi mon frère, il n'a pas si, il a pas si ma casse. Ok. Et vous m'appelez l'évangéliste Christian. Je suis là pour évangéliser le monde. Ça, c'est mon ministère d'appel. Pasteur de fonction, mais je suis évangéliste. Christian Newman, Montoisica. Donc, ce que je suis, le frère Christian. Donc, j'aime bien. En fait, au stade des martyrs, Dieu nous avait envoyé. Pour Nako. Enfin, il y avait une mission pour ce pays, hein. Et pour essayer un peu, il y a beaucoup de ça. Hôtel et ténèbres, où il y a 25 ans, il y a beaucoup de oyo, où il y a bébé, il y a beaucoup de oyo, où il y a beaucoup de oyo. C'était le 1er juin 1966, quand Mobutu a parté avec Israël, avec plutôt Égypte, et à Bengala, Israël. Alors, quand Bengala, Israël, je pense que tout le monde avait suivi, et il a dit entre frères et amis, les choix sont clairs. C'était dit du haut des tribunes des Nations Unies. Les choix sont clairs. Et c'est alors, c'était une condition qui lui a été imposée par l'Égypte, ses nouveaux maîtres. Donc c'était pour le besoin de faire asseoir son pouvoir. Alors il fallait que à Tonga, hôtel Mokonakatina, RDC, mais c'était à Kinshasa. Hôtel à Moussalmarwa, Napongabi, c'est la stade des martyrs, les amis. C'est alors que vous avez vu, parce que nous avons synthétisé, comme j'en avais parlé, c'est alors que vous aviez vu qu'il a eu Mobutu à tuer, à pendre. Quatre conjurés. Ouais, les quatre conjurés, ce sont des dignes fils du pays. Ouais, Bamba, Kimba, Bamba, Kimba, Mahamba, Anani, tous ils ont tué. Baboumaï Bangwana, et puis Kateki Bango, ils ont été pendus. Alors, ça c'était juste des gens qui ont cru peut-être que condamné politique. Oh, c'était pas des condamnés politiques. C'était juste un sacrifice qui devait se faire là pour faire asseoir cet hôtel des ténèbres. Okay. Voilà, c'était ça la mission. Yakubu Mabatouana. Alors, tant Baboumi Mabatouana, le même jour, il y a eu un tourbillon fort. Et cela s'est passé le 1er juin 1966, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, tout a été bien calculé. Et ça, le jour de la Pentecôte. Or, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Ezali, c'est le jour où les ascensions, le Saint-Esprit, il y a supposé jour où mon centre à Yakabongo, qui tape les visions du Saint-Esprit dans un peuple naïe, mais jour où on a assisté à quoi? À l'esprit des morts, qui a pris place de l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu s'était retiré. Tout bien, moi, Salman Makassi, l'esprit de Dieu s'était retiré de la nation comme socle. Comprendre là, comme socle, parce que toute nation a un esprit socle. Mais le jour-là, l'esprit de Dieu s'était retiré de cette nation et l'esprit des morts a pris place. Voilà pourquoi on a assisté à plus de 5 millions de morts dans ce pays, plus de 5 millions, plus de 6 millions même de morts dans cette nation. Donc, il y a un moment où Nzambe na mawanaye, a eu à connaître là-bas, on a eu les livres qui ont solution de Simbate. Par gouvernement, c'est succédé et le côté. Et c'est succédé et le côté. Parce qu'il y avait l'esprit des morts. Et cet esprit des morts est qui même petit, même dans le gouvernement. Même dans la place sur l'institution Mokao. Donc, au Bomana, au Yiba, tout ça, c'était l'esprit. Quand on dit la mort peut être physique, matérielle, financière, financière plutôt, la mort spirituelle, donc mort, caca, donc esprit. L'Iwa. Il y a un moment, il y a beaucoup comme un Kuruna, et Bandela Wana Pongabi. Esprit de Bandela Wana. Mon abo, c'est ça un accident type K. Type K, c'était vraiment parce que l'hôtel, c'était lieu érigé pour recevoir une divinité, mais l'hôtel vit des sacrifices. Vous voyez, l'hôtel de Jésus-Christ, par exemple, vous avez de l'hôtel de. Ils vont vivre dans le sacrifice aux alliés sans Jésus-Christ. Vous voyez, les types de l'église, c'est le son de Jésus-Christ. Mais bon, tel, nous sommes souvent à ténèbres, ils vont vivre dans le maquillage. Humain. Maquillage, Batou, c'est le son. Le son, il va l'air à son, mais non, je vais vous maquiller, il y a Batou. Il y a un moment, même à quatre congérés, avant un bon moment, Batou, il va nous mettre et les sang coulés. Regarde quelle cruauté. Est-ce que tu t'imagines? Donc tout ça c'est. C'était pour rendre gloire à Satan. Là, type car les gens à 4 cas à Bagamona. Et c'est alors que place on a un stade où il y a 6 métiers. Tu vois? Alors, Rijaki, monument, on a un stade où il y a un monument. Monument donc qui est représenté, comment dirais-je. Divinité Wana, pour reprendre le stade Wana. Donc, il y a un moment donné qui bon, un jour, vous avez le temps de Koka, vous pour renverser l'hôtel Wana. Mais il nous a donné un signe de temps. Le signe de temps, c'était quoi? C'était il dit quoi? Les jours où vous verrez une autorité ou l'autorité de ce pays renouer la relation avec l'Israël. Avec Israël, et c'est ça le signe de temps. Okay. Parce que c'était 2010.
qu'il a donné cette révélation. Parce que sans révélation, il faut une révélation. Il faut la révélation. On doit marcher parce que la parole des clés des glas, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frais. Quand on n'a pas de frais, c'est un peuple mort. On est voué à l'accident, on est voué tout même dans les ramets. Voilà. Voyez, donc, il faudrait avoir une révélation. Alors, Dieu nous avait révélé en 2010, en 2014, en 2018, et voilà que, en fait, en 2020, quand nous avons reçu les signes, et c'est alors Dieu va nous demander de nous préparer pour aller faire tomber. Les signes, c'était quoi? C'était renouer la relation entre Israël et RD Congo. C'est que le président. C'est que le président avait fait. Si le président l'avait fait pour des raisons politiques, excusez-moi le terme, il était poussé par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, parce que là, il l'a fait même au même endroit. Là où Mobutu avait détruit et il est venu réparer. Okay. C'était au même endroit. Et en plus de ça, il commence par dédier la nation congolaise à Dieu. Moi, les sentiments qui m'animent, c'est les sentiments évangéliques. Okay. Ce n'est pas les sentiments de politiciens ou des camps politiques qui ont aujourd'hui détruit cette nation. Vous voyez, parce que les gens veulent se retrouver dans leur camp politique et dans ce qu'ils veulent. Vous voyez, soutenir ce qu'ils veulent soutenir et détruire ce qu'ils veulent détruire. Mais l'incite de l'éternel, on ne la détruit pas. Vous voyez, donc moi je soutiens l'incite de l'éternel. Okay. Donc pour Dieu, c'était le temps pour renverser. Vous allez voir les images là où on a même dédié la nation entre les mains de Dieu. Et aussi les jours là, Dieu nous a envoyé pour renverser cet hôtel des ténèbres qui était à la base, Yako. La ramification, il y a différents hôtels, il y a mon église à Congo. Nous avons un peuple un pays riche avec un peuple pauvre. Quel contraste. Donc c'est parce qu'il y a les plus riches et les plus pauvres. Non, les plus pauvres et les plus riches. Donc il y a ce qu'on appelle une érosion sociale. Voilà. C'est exact, érosion sociale. Mais pour en couvrir, il y a un problème. Alors, l'union, c'est Dieu. Tout ce qui nous a bêté. Alors, il fallait faire revenir l'Esprit de Dieu dans cette nation comme socle. Okay. Il y a un moment, nous a matiné, puis on est en Égypte, dans la prière, tout côté, 7 jours et 7 nuits dans le stade des martyrs. Tout ça, les 7 jours et 7 nuits là-bas. On est resté là-bas pour renverser cet hôtel. Et c'était. Dieu avait dit que cela devait se faire seulement les jours de la Pentecôte. Il y a tout ça là qui en haut, c'était les 31. Sans tambour ni trompette, c'était pendant les temps de confinement. Oui, oui. Tu comprends que c'est volonté en disant, mais parce que confiné, ils habitent dans le moment, ton auto commence à ce qui est dans ma classe, la mission, ton auto dans l'église, on se bat pasteur Baya. Mais on est allé à 6. Et puis le 7e, c'était lui-même Dieu. Et qu'on a pu. Bafouez au monde, Laurent, Fabrice. Déjà, sur l'année Mokatala, tous ceux qui ne m'ont pas fait attention, Ça m'a camo, on comprend non, ma camo ben au salimant et comme il est au salimant. Neti. Bah parce que ça là, n'a qu'un état de droit. Oui. N'a qu'un IGF au monde à IGF. Inspection générale des finances. Inspecteur au Kangamiyebi, général, inspecteur au Kangamiyebi. Donc Dieu est en train de mettre à découvert. Bon. On comprend bien. Les détourneurs, les voleurs. Ah non non, les ennemis du Congo. Pays. Les ennemis de la RD Congo, Dieu est en train de mettre à découvert les ennemis de Dieu. Poussé par l'esprit, est-ce que l'inspecteur est Bazalaba Bazalaba, on mais Bazalaba, nous savons ça, les outils. Parce que tout est poussé par l'esprit. Derrière tout, il y a l'esprit qui anime. Quel est l'esprit qui anime maintenant? C'est l'esprit de vie, le Saint-Esprit qui est réveillé dans cette nation. Et maintenant, qui commence à redonner la vie à Katina Mboka. Tout ça, on a détourné. Vous voulez que nous puissions qu'on maximiser la recette de Mboko. Mais il fallait qu'opération me ressale. Et c'est alors que Mboko Mona va budget la question sanitaire et qu'on m'a parce que mon île de sanitaire est quoi. Détourner, c'est Ezo quoi déjà. Donc, n'a pas tout oui, Mboko Mona, est-ce que ça m'a solo, tout patiné dans l'IGF. Et comme compliqué déjà. Donc, ça, ce sont des retombées du stade du 31 mai. Ça va retomber. Il y a esprit, il y a des gens qui ont été. Je peux voir aujourd'hui aussi. Les ennemis de la RD Congo. Je prends l'exemple d'un domaine d'abord, il y a pasteur, d'un domaine pastoral. L'église qui était censée ramener les sujets de l'éternel auprès de l'autorité politique ou administrative, l'église qui était censée, il y a qu'au sauver ces peuples, parce que moi, quand Dieu m'appelait, il m'avait dit que la solution de ces pays ne passera que par l'église.
Voilà pourquoi l'église gère au quotidien plus de 85% de cette population à la base. Mais à la tête avec qui? Les gens ont besoin de connaître que nous basons le centre, basons le papa, ou basons même l'église, basons comme l'église, basons sous l'église. Mais malheureusement, ils nous ont fait voir d'eux-mêmes. Pas moi, Christian, ce n'est pas moi. Eux-mêmes nous ont fait voir que nous ne sommes pas ce que vous croyez. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est ça va retomber l'état de martyrs. Parce qu'ils ont fait voir qu'ils ne marchaient pas dans l'œuvre de Dieu. Nous avons été puis pour nous, l'église, nous avons été. C'est dévoilé. Il y a ça qui boue. Il y a ça qui boue. Il y a ça qui boue. C'est secret. Attends. Merci. Parce que même toujours qu'il y a un moka, on allait peut-être donner des confier des responsabilités, mais bon, on va lui beaucoup plus sur la responsabilité. Pour un peu tout ça, il y a pour celle là, nous avons tout le monde des populations, des peuples, des églises, okay. Est-ce qu'on comprend les gérants? Ce sont les retombées du stade de martyrs, du renversement de l'autel des ténèbres. Donc, l'église était rentrée même dans l'occultisme, dans la magie. Tu vois un peu ça, oui. Et cet esprit est tombé. Malin, tu es ok. Bah, on te met à nous, ah, Mbokatel, Abunisarabiso, Mbokatel, Asalamorabiso, ou Azenemé, tous les ennemis de la RD Congo, Bakobima, ils sont mis déjà à découvert spirituellement parlant, et Nzambe Arosunga, tout le monde a bango toba, nani, azanani, et puis, maman go change. Bah, on a content à eux, le voilà Nzamba Pona qui ont parmi Batoba au Sambela, Pona. Mais c'est une grâce. C'est une grâce parce que je dis, je me connais. Attends, l'autre comprenant. Nous avons qu'elle connaissait. À quel monde entier. Nous avons qu'à nous en Katilongo. Mais ailleurs, il y a Laurent Fabis. Ailleurs, il y a le combo. Parce que c'est mon sala. Bonjour, Sara. Nous avons fait un séminaire il y a trois jours à côté à cité. Comment dirais-je? Maman Boutou, soit les Matadibar, Matadibar, mais je t'ai dit, Nzambe s'est manifesté puissamment par son serviteur que je suis. Oui, mais c'est mon vrai ami. Et ça, quand on montre Nzambe, donc, pouvoir, puissance, et là, a utilisé pour qu'il a sauvé le peuple. Est-ce que parce que Daoud a accepté par ses pères? Le rôle où tu as la musique à Mokili, est-ce qu'il y a une relation bien avec le pasteur, monsieur Yambour, à la bus? On va accepter la milieu à Bango. On a une relation avec l'âme, on a accepté. On a accepté. Très accepté, écoute, Mouké. Maxel Nicolas a accepté. Okay. Et Bélé et Bandele, l'apôtre Paul. Est-ce que voilà pourquoi je suis dans la mission de Dieu. Tu comprends, bandima, on a fuite. On a besoin de nous, mais comme tu as justifié, on a besoin de nous, on va te bêler, ça c'est une vérité. Bah pour ça que le chant c'est bel été, on a dans le monde, tant de succès qui tire, il y a un Nzambe, l'objet aux hommes, on a des cas qui les aux hommes, il y a Valine, la Castro, mais tout le monde est heureusement, heureusement que les succès qui t'a monté, et puis parce que derrière, œuvre, je me souviens, tant on a Salina, on a lancé, car le générique, il faut lancer à. Je suis venu à l'église. Bah, nous allons comprendre pourquoi nous avons ça rendu puissamment. Quand ça nous dit ce qui va qui c'est non. Ils ont parce que j'ai créé cette intimité avec le Saint-Esprit. Pendant 400 jours, je suis resté à côté du Saint-Esprit. Donc Dieu n'a pas que le bail Dieu, les langages de Dieu, les parler de Dieu. Comment que soit un Nzambe, n'ayez pas soit un Nzambe et puis qu'on y aille. Alors tant nous que nous ça au yazon na sala, tu ne vas pas échouer spirituellement parlant. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu es dans la volonté parfaite de Dieu parce que dans sa volonté, lui-même s'y trouve donc écho pour échouer te attendre. Yango boya ki ba balègue, on va continuer l'idéologie à l'avenir. Non, mais parce que les bêtes, c'est là qu'ils ont mal à monter.
On prend Luca qui est sa tabilanga. Oh, il a ce coup, ça va, j'ai un artiste. Quand tu as orchestré mon groupe, il y a un salaka yango. Alors, il y a un groupe qui a été Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il s'appelle Dakoumou Daduman, les frères Christian Kimbukusu. C'est lui notre invité de ce soir, là, sur Azoloba. Avec son cœur, ça vient au fond du cœur, en tout cas. Je n'ai pas de commentaires à dire par rapport à cela. Le temps pour moi de souhaiter un très bon week-end à la maison d'habillement Capo, Capo Miva, Police Fashion, Naron Point Naba, référence. Famille K également, président Aimé Mongo Pascal, Somia Banama Indombe de la part de Patti Soumbou, président Yoa Kongolo de la part de Koupar Bola Rambote Bele, Struyol Mampouya, Super Sénat, bon week-end à toi également. Donc, continue la dernière, deuxième et dernière partie. Et Zali, Oetali, révoque. Oui. L'objet de la mission révoque, et Zanini, pasteur Christian Kimokous. En fait, révoque, et Zan Sigléa. Révolution chrétienne au Congo. Ok. La révolution chrétienne au Congo, avant, il y a une année passée, deux ans passés, ils ont eu un message de la part du Seigneur. On a annoncé sur la révolution chrétienne. La révolution chrétienne, c'est quoi? C'est un appel pathétique au retour immédiat à la vraie identité du chrétien. À la vraie identité du chrétien au Congo. Le retour immédiat. C'est ça la révolution chrétienne, retourner à la vraie identité du chrétien. Alors, la révolution chrétienne, les mots, la révolution chrétienne, c'est une structure. C'est un mouvement, un mouvement politico-socio-évangélique. Un mouvement socio-politico-évangélique. Révolution chrétienne, révoque. Donc, avec comme slogan, Zali, tous pour un Congo de la destinée. Tous pour un Congo de la destinée. Alors nous disons que ce pays, analyse faite poussée par l'Esprit de Dieu, nous avons compris que cette nation, c'est une nation chrétienne. Contrairement à ce que la Constitution nous dit, la Constitution, c'est un pays laïque. Mais ça, c'est également, au regard de la Constitution, un pays laïque. Mais socialement parlant, nous constatons que le Congo était pays social. Plutôt, elle est un pays chrétien, socialement parlant. Donc, entre la légalité et la légitimité, qu'est-ce qui prend le dessus? C'est la légitimité. Parce que tout le peuple est chrétien, presque tout le peuple est chrétien. Voilà pourquoi nous déclarons que ce pays est chrétien. Je voulais que quelqu'un qui est là où il est, déjà qu'il commence, il y a constatement que le Congo est un État chrétien et non laïque. Quand on a un pays laïque, c'est comme si tous les Nzambe étaient dans beaucoup. Non. Ça, c'est un État chrétien. Avec un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors, étant donné que dans un pays chrétien, tu reconnais que Dieu qui a donné toutes les richesses que nous avons dans ce pays, mais tout ça pour jouer dans notre polonie. Développer ça pour être marqué pour notre polonie. Alors, on s'est dit, il faut une révolution. Il faut cette révolution chrétienne. Voilà, Dieu, l'Esprit me disait toujours, il parlait de la révolution. Et en quoi consiste cette révolution-là? Maintenant, la révolution-là consiste d'abord à faire de la RD Congo, de ce pays, un pays à gouvernance responsable pour le bien-être de ce peuple et pour la gloire de Dieu. Donc faire de cette nation de Congo un pays à gouvernance responsable pour le bien-être de ce peuple et pour la gloire de Dieu. Parce que le Congo
nous avons cette communauté chrétienne qui est majoritaire. Et c'est cette même communauté chrétienne qui devrait influencer la société. Okay. Mais malheureusement, ça tarde encore à venir. Mm-hmm. Mais je pense que c'est le temps. Mm-hmm. Et que les chrétiens doivent se lever pour dire non, ça c'est notre pays. Mm-hmm. Nous reconnaissons que quand je vois comme le livre d'Ecclésias, parce que nous, notre soubassement, c'est la Bible. C'est la Bible. Quand je vois le livre d'Ecclésias, je me dis, je vois les esclaves monter sur des chevaux comme des princes, et des princes marchant à pied comme des esclaves. Mais c'est qui le prince? C'est nous, les enfants de Dieu. Okay. Mais malheureusement, nous sommes à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Alors voilà pourquoi on dit non, la situation devra. Il faut changer. Il faut renverser. Il faut renverser la situation. Mmh. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné toutes ces richesses. Nous sommes chrétiens. Mais c'est qui les chrétiens? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit vivre dans le monde attentiste. Dans le monde attentiste, non. Dieu, nous n'avons pas besoin de prier pour la bénédiction de ces pays. Ce pays a été déjà béni. Nous devons, la demande c'est quoi? Nous devons accéder à cette bénédiction. Oui, accéder à cette bénédiction. Voilà pourquoi parmi les objectifs généraux, nous disons quoi? Nous travaillons le spirituel d'abord, parce que tout est d'abord spirituel. Et maintenant, nous attaquons le physique et le matériel pour pouvoir palper les résultats. Or, aujourd'hui, l'église est qui battue, quand on a spirituel, nous devons maintenant aller dans les physiques et les matériels, vous voyez, pour pouvoir palper la réalité. Dieu nous parle de la richesse à travers l'agriculture. Qu'est-ce que nous faisons? Vous imaginez les 85% de cette population, tout comme est à 50%, tout comme c'est dans l'agriculture. Est-ce qu'il y aura la famille dans ce pays? Nous allons aux Anamoukaout. Mais ce que nous devons enseigner, est-ce que mon moni est long? La 4e église, mon moni, Babé Monini. Séminaire sur l'agriculture. Exacté. Travailler. Le succès de ce pays a un prix. Le prix à payer, c'est quoi? C'est le travail. On doit travailler. Est-ce que vous voyez des séminaires sur le travail? Non. Yaka, Nzamba, Rosa, viens voir. Non, on doit quitter ça. La révolution chrétienne nous appelle à être ce que Dieu veut que nous soyons. Okay. Dieu veut que nous soyons des travailleurs. Dieu veut que, après avoir allé à l'école, à l'université, que nous puissions travailler. Nous puissions briguer des postes de commandement. Vous voyez, pour gérer à bon escient ce pays, avec une gouvernance responsable. Mmh. Étant donné que nous sommes régis par une constitution, j'appelle universelle, qui est la Bible, on comprend, et puis des valeurs positives, vous voyez, je pense que les vrais chrétiens, ce n'est pas ceux qui ont besoin de cannabis, vous voyez, ne pas l'accepter. Non, les vrais chrétiens, ce sont ceux qui sont dans leur maison, qui vont dans l'église pour chercher Dieu. Okay. Ce sont des vrais, malheureusement. En face de beaucoup, ils rencontrent qui? Les loups, au lieu des brebis. Les loups. C'est-à-dire? Des loups. Il y a des pasteurs, aujourd'hui, des pasteurs sous couvert. Vous voyez, ce ne sont pas des pasteurs. Wow. Mais il y en a plus de 40 000 dans ce Congo. On voit les balotés, Bazal l'église, là-bas. Il y a vrai. Je respecte Bazali. Plus de 40 000. Plus de. Oui, mais c'est ça. En train d'attendre, on a dit l'éternel, Bazo, battez la pâte la bango. Bazali, ma vrai. Et Bawanande, et Seigneur, je crois, Salini, Baye Bako Sangan, au Télémissa, tout Télémissa, Bana, et puis toi, envoyez, on a l'île de Père, on zambé, à Tinibiso. Donc, la communauté chrétienne devra récupérer les choses en main, mais autour d'une structure. Voilà, aujourd'hui, nous avons ce mouvement qui s'appelle la révolution chrétienne, Révoque. Okay. Donc, Révoque fait appel à tous les chrétiens du monde et tous les chrétiens du Congo. Parce que c'est la révolution chrétienne au Congo. Comment d'abord au Congo ici? Nous allons appuyer nos frères, nos enfants, les chrétiens aujourd'hui, par la première démarche en Zamba la Tsanga. Et si vous êtes au Banila, nous commençons par la revendication de la nature de ces pays. La nature de ces pays pour dire que c'est un État chrétien et donc laïque. Le président de la République, il a eu à dédier ces pays entre les mains de Dieu. Mais c'est quelle démarche qu'il avait fait? À cette démarche, mais ça devrait suivre. Vous comprenez? À cette démarche, c'est dans le cadre de la révolution chrétienne, sans qu'il y ait une carte de la révolution chrétienne. Okay. Pourquoi? Parce qu'à nous, nous nous devons passer à la révision constitutionnelle en son article premier. Oui, le but de
le Congo est un état laïque. Il faut te boire calé. Il faut comment? Le Congo est un état chrétien. Voilà pourquoi, s'il te plaît. Voilà pourquoi je rappelle. Voilà, quand tu dis chrétien, tout Congolais n'est pas chrétien. Bien sûr, on est chrétien, mais ce pays est un état chrétien. Comme j'ai parlé de la légitimité. Ça, c'est un problème. Et ça, problème, c'est parce qu'il y a des pays islamiques. Nous devons prendre. Voilà la première démarche. La première démarche, c'est quoi? C'est amener les Congolais à la prise, la prise de conscience de son identité divine. C'est ici qu'on nous allie. Nous devons amener le peuple dans la révolution chrétienne, amener le peuple congolais dans la prise de conscience de son identité divine. Quelle est mon identité? Et l'identité de mon pays, de ma nation. Nous devons ramener le peuple et la nation à la prise de conscience de son identité divine. Tant que nous ne reconnaissons pas notre identité divine, on va rester là sans rien faire. Mais notre identité divine, excusez-moi, je vais enchaîner, citer. Notre identité divine, c'est quoi? Qui nous sommes-nous? Nous sommes qui? Nous sommes qui? C'est alors que tout va fonctionner. Je vous donne un exemple, pour que tu comprennes. Aujourd'hui, vous voyez, nos frères là, c'est vrai qu'ils n'ont pas un Dieu, ou bien surtout, c'est pas un vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah là, c'est mais, ça qu'il est dit, on se contredit. Non, pas contredit. En tout cas, à 5 minutes. Aujourd'hui, je prends l'exemple des bouddhistes, des chinois, des chinois, aux hommes dans la télévision. Tu vois, et ça va bien, et ça va bien. Bazo présenté, nous sommes amis à Bango. Bazo a conscience, il y a pas de identité, il y a pas de Bango. Et Bazo fonctionnait en tant que tel. Croyance là-bas. Croyance là-bas. Bazo respectait bien, on s'amène à Bango. Attends, je suis chère, ma bé, mais Bazo respectait, il y a Bango. Et je sais que va vivre, on s'amène à Bango. Bissot, identité divine, c'est ça, Nini. Tosa banane, Batia, Nini. Il y a Nini, chrétien, toi, il y a beaucoup. Jisoba, non, arrête avec ça. Nous sommes des chrétiens. Nous devons prendre conscience de notre identité divine, que nous sommes des chrétiens, et nous devons fonctionner comment? Il faut que content, fonctionner. Mais comme nous, on comprend que nous sommes chrétiens, et je dois fonctionner comme ceci. Les chrétiens, c'est qui? C'est quelqu'un que je suis l'héritier du trône. Je suis l'héritier de mon père. Sur les autres, il ne faut pas qu'on m'appelle chrétien. Mais toujours souhaiter parce que les saluts passent par Jésus-Christ. Moi, aujourd'hui, je suis le salut. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Moussa, la chose, Ali, t'es obligé de me reconvaître. Malé, me t'auroter. Ben, mon père, va rejoindre Jésus-Christ. Au moins, c'est pour. Voilà, ça c'est un combat, c'est votre avis. Pour islamistes, ceux qui ont l'air à contredire, bah église des noirs, ceux qui ont l'air à contredire, bah tous ceux qui en a ni kimbang, c'est-à-dire tout ça multicolore. Laurent Fabrice, n'ayez ça. L'air n'est plus à la complaisance. Si le président de la République, devant la communauté nationale internationale, il dit Jésus-Christ règne dans ces pays, soit le roi du Congo, vous voulez dire quoi? Le président qui est le garant de la nation, hier Mobutu a Tekadi payé pas là-bas, la magie égyptienne. Aujourd'hui, nous avons un président qui dit Jésus-Christ n'a pas sûr, n'a Tekadi Mboko, n'a Kabelo Mboko, Zouan Mboka. Moi, je me retire, règne. Yo, ça va quoi? Écoute pas, musulman. Merci beaucoup. Ici, cette nation, elle est chrétienne. Très bien. Cette nation, elle est chrétienne, comme le président l'avait dit à la Chine, que non, Mboka, voilà, chrétien. Je rappelle à tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, d'adhérer, révoque. La révolution chrétienne, parce que je pense que la parole de Dieu déclare, quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. Okay. Quand les méchants dominent, le peuple est gémi. Alors, les justes, un pays ou une nation n'est pas détruite par les méchants. N'est pas détruite par les méchants, mais plutôt par les justes qui ne disent rien et qui ne font rien. Mais aujourd'hui, qui les disent vont dire quelque chose. Ils vont faire quelque chose. Je pense que le développement de ces pays va passer par là. Ça, c'est le pasteur Christian qui vous apprendre à où aller, c'est dans la RDC, c'est un pays chrétien. Moi, je ne veux pas, c'est apprendre à laisser pays. Nous devons prendre, parce que c'est pour la destinée de notre pays. Okay. Nous devons prendre, parce que nous avons dit que Jésus-Christ. Okay. Tous les jours, nous sommes à l'église, pas pour aller remplir les bancs, mais c'est pour que nous glorifions Dieu qui nous dit, venez avec vos yeux, nous l'église, avec vos yeux en haut. Ok. Autant que dans l'église. Très bien, pasteur Christian, ça c'est vraiment un sujet, là c'est plus le rôle, bien on a 100%, ça. Ce qui m'a questionné, on a tout rappelé pour en parler encore. Waneza obligé. Alors, on va terminer, tout de suite, dans 2-3 minutes. Prophète Dodo Kamba, président de la BINO, la ERC. Analyse.
dispute les ali kakenza soni pas boy konomwa juste la mukuse pasteur Christian yo za la kani pour vous connaître la carte. Ouais, déjà premièrement dans le sabino que moi je fais partie du réveil comme mouvement spirituel et non réveil association. OK. Réveil association ils arrivent à la révoque. Réveil et association, même sur les 40 000 églises, 50 000, dans la statistique, tout ça, dans la fédération, comme les églises, fait correct. Donc, il y a toujours souvent, à tel suspect, alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est une structure qui s'est présentée parce que ça est comme église. Mais malheureusement, ils nous ont fait voir que comme la bonne église était. Souvent existé parce que l'évangile de Jésus, c'est cet évangile qui couvre tous les aspects de la vie de l'homme. L'église et la Bible couvrent tous les aspects de la vie, gère l'homme, la nation. Voyez, mais eux qui étaient censés aider cette église, ils ont contribué même à la pauvreté de l'église. L'église du Congo, je vous dis, elle est pauvre parce que eux, ils ne voient que leurs intérêts à eux. Et ils ne les ont pas. Il y a un mot, la télé, voilà ce que nous sommes. Mais si vous voyez ça, Omoni notoriété nos arrangements wana battre les mots parce que place au qu'on a au moment de la crise moko interminable donc il y a au salir même le vendredi on a biso donc continuer car on est déjà mazon même bon pasteur Sony j'appelle ça un message dans le bac qui est à zapper on répond alors les noms comme moi ici sur la télévision n'a rien n'a passé qu'à 15 ans bah la cible que non franchement pas tant de gens à mettre bazong et la gare nous avons bon bâté à biso voilà nous avons pas fait bazong et la yé parce que attends pas faire la bango pas quoi t'as sur le marron t'es comme vous t'es pas faire la bango bâti quand ça m'a même des raisons de mango chico très bien avec la révolution chrétienne au Congo. Merci beaucoup pasteur aussi ici un dernier mot par rapport à notre lobby à n'a numéro dans la contact, bata poto bawa la nabiso bato apen qui sa bawa la bosse ma ta contact là. Tout ce qui ça. Mais moi je voulais dire à quelqu'un qu'il y a toujours un temps avec Jésus-Christ. Vous voyez, un jour une histoire. Il est le maître des temps. Quand les temps arrivent, personne n'arrête les temps. Peut-être que les autres vont révoquer. Oh, ils souhaitent, oh, ils citent. C'est parce que révoque, Italie, avant tout, nous, c'est ça, les musiques sont dans ma politicien, dans ma homme politique. Il y a un moment donné, nous avons appelé ce maïe à révoquer, il y a formé un nous. Nous allons former un nous, les chrétiens, un nous unifié, unifiant pour qu'il y ait fonctionnalité des choses. Donc voilà pourquoi j'ai un appel à tout le monde d'adhérer à Révoque et de nous contacter à notre numéro de téléphone qui est le 09 93 854 700, ça c'est le WhatsApp. 09 93 854 700, ça c'est le WhatsApp, ou encore au 084 437 85 86. Vous pouvez adresser mail la personne à comment dirais-je, dans une www.fecoec.org. www.fecoec.org. Je pense que le moment là, c'est que Dieu vous bénisse et encore de l'espoir. Maintenant, ça va aller. Parce que Dieu suscite toujours une génération dans Tamogo pour sauver son peuple. Nous avons le Dieu de Joseph, le Dieu de David, le Dieu de Daniel, nous avons le Dieu de Mardoché, le Dieu d'Esther. Ne vous en faites pas, c'est le même Dieu d'hier et aujourd'hui. Voilà. Et que Dieu bénisse la nation congolaise et j'en appelle à la révolution chrétienne, à tous les hommes des dieux et tous les enfants des dieux, tous doivent mettre bisous sur le moko. Alors appelez pour que tout le monde soit organisé et puis tout le monde soit ligne. Merci beaucoup, pasteur Christian Kimboko Soudakumuda Newman. C'était un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Mais je vais vous dire ma réaction est Rosala. Vous en avez besoin dans le sous pour avoir la réponse aussi. Par rapport à la formation, tout de suite, rame-moi à papier pour la commune. Ok. Rame-moi aussi. Oh, ça c'est très bien. Rodi Mouato, merci. Coupard Bola, merci. Yves Eloala, Samson Ilunga, Joël Pembele, Serge Kouilou. Merci Namion Sobola, Nagui Bissou. Rediffusion mardi 16h30. On va se retrouver les samedis prochains. Les programmes continuent sur Canal King Télévision. Merci pasteur. Merci Laurent Fabien.